Bonjour à toi, chers spectateurs, et bienvenue donc dans cet épisode 19 de Coin du DVD. Épisode 19 qui sera donc placé sous la lettre I, puisque l'on change à nouveau de lettre. Lettre I, honnêtement, j'ai même pas dit DVD dans la lettre I. Mais j'ai des bons trucs. J'ai Iron Man, que vous connaissez certainement. J'ai Iron Sky, qui est un délire sur des nazis cachés dans la face cachée de la lune. J'ai It Follows, qui est un immense long métrage. J'ai beaucoup de choses dans la lettre I. Des choses plus ou moins intéressantes, mais j'ai beaucoup de choses. Mais il y en a un que j'ai eu envie de faire ressortir. C'est un long métrage fait par un jeune duo, qui, à l'époque en tout cas, était jeune, qui avait envie de proposer un cinéma de genre français, très hardcore et audacieux, dans la même veine qu'un Xavier Jans ou qu'un Pascal Laugier. Un cinéma de genre qui voulait jouer sur le huis clos, qui voulait jouer sur des peurs primaires du spectateur, et qui surtout allait être l'un des films les plus terrifiants à voir que j'ai vu de ma vie. Parce qu'honnêtement, j'ai repoussé, quand j'étais jeune, le visionnage de son métrage. Il y a eu des moments où je me suis dit, allez vas-y, tu te motives, tu le regardes. Non, il me fait peur ce film, j'ai pas envie de le voir. Mais vas-y, tu vas te motiver, tu vas regarder. Non, j'ai pas envie de voir ça, j'ai pas envie de voir à l'intérieur de Bustillo et Maury. Parce qu'à l'intérieur de Bustillo et Maury me terrifiait. Par son interdiction, par son histoire, par son actrice, parce que mine de rien, je n'avais pas encore découvert 37 degrés de le matin à l'époque où j'ai regardé à l'intérieur, parce que sinon j'aurais certainement beaucoup apprécié Béatrice Dalle, mais ce film me terrifiait. Et quand je dis me terrifier, ça n'est qu'une demi-mesure. Il me foutait vraiment les jetons. Parce que, comme histoire, une femme enceinte, toute seule, le réveillon de Noël chez elle, qui va voir une autre femme débarquer pour l'éventrer, littéralement, et lui sortir son gamin du bide, moi, ça me fait peur. Ça me fait vraiment peur parce qu'il y a beaucoup de choses que je suis prêt à regarder dans le gore. Mais ceux qui connaissent cette chaîne savent que tu touches à un nourrisson, ça ne marche pas. Et ça, c'est The Human Centipede 2 qui me l'a bien rappelé. Je ne pardonnerai jamais à ce film d'avoir osé faire ça. Mais ce film m'a vraiment terrifié. Et j'avais peur de le regarder. Et quand je l'ai vu, j'ai compris pourquoi j'avais peur. Parce que c'est pas forcément un film très réussi. C'est un film qui a beaucoup de défauts. Et qui, honnêtement, sur son heure et demie, a tendance à un peu se répéter par moments. Et à pas réussir à totalement fonctionner dans son huis clos. Mais c'est un film qui prend aux tripes. C'est un film devant lequel t'es totalement captivé, t'arrives pas à sortir, et t'es comme le personnage principal. T'as qu'une envie, c'est de pouvoir t'échapper, mais c'est pas possible. Parce que cette femme, elle est à l'extérieur, et visiblement, elle a l'air de contrôler littéralement l'extérieur de ta maison. Et de t'empêcher de sortir, même si t'avais juste envie de checker s'il y avait un tout petit peu de pluie à la fenêtre. Ce qui m'a terrifié, vraiment. Je trouve ce film parfaitement réussi dans sa maîtrise du genre, et c'est juste un film qui, derrière, galère un petit peu avec son histoire. C'est le plus gros défaut que je peux reprocher à cette œuvre de cinéma. C'est de ne pas réussir à être équilibré dans sa manière de gérer l'ambiance et le contexte dans lequel il se trouve. Parce que tu sens que derrière, sinon, Bustillo et Maury, ils ont envie de te captiver par cette peur omniprésente que représente cette femme, en plus incarnée par Béatrice Dalle, qui, il faut l'avouer, avec l'âge, a pris un visage très flippant, à la fois froid, réconfortant. Mais si elle sourit, tu flippes ta mère. Enfin, c'est assez génial, en fait, parce qu'ils ont très bien réussi à se servir de Béatrice Dalle. Et en plus, à côté, Alison Paradis, qui, je crois, c'était son premier rôle à l'écran, arrive vraiment à être douce, réconfortante, extrêmement faible. Et en même temps, tu sens qu'il y a quelque chose de fort qui peut jaillir d'un seul coup en elle. Enfin, pour le coup, le film a plein de petits défauts, comme je l'évoquais. Mais il y a un truc auquel on ne peut pas reprocher une seule seconde. Quoi que ce soit dans ce film, c'est la maîtrise du casting de Bustillo et Maury. Parce que pour le coup, Dalle et Paradis sont extraordinaires en tête d'affiche. Elles livrent des interprétations qui sont parfaites de bout en bout. Et franchement, voir Béatrice Dalle avec un couteau courir vers Alison Paradis, ça reste l'une des images les plus terrifiantes que j'ai en tête. Et je vous révélerai pas comment ça se termine, parce que ça serait dommage de vous faire louper ça, mais vraiment, lorsque je suis sorti de ce film, je me rappelle que je me suis dit, ok, peut-être qu'ici, j'accroche pas forcément plus que ça. Mais je pense que dans le futur, ces deux cinéastes, ils vont réussir à me captiver et ils vont réussir à m'entraîner dans un film qui sera, je pense, absolument sidérant de justesse. On aura peut-être l'occasion d'en reparler parce qu'ils ont fait un autre film que j'ai dans ma DVD Tech que je trouve exceptionnel, de bout en bout, que je trouve parfait et qui en plus est un hommage magnifique à Steven Spielberg, tout en étant un film de genre interdit aux moins de 16 ans.
ce qui reste tout de même une prouesse. Mais à l'heure actuelle, je trouve que À l'intérieur reste pour le coup une petite prouesse de cinéma de genre français que seuls Laugier et Jans ont vraiment réussi à égaler pour le coup dans ce style-là. Le côté gore, le côté angoissant, le côté flippant, le côté presque parfait de l'adaptation du genre à l'écran. Parce que derrière, il faut bien reconnaître que, mine de rien, Maury et Bustillo n'ont pas forcément réussi à totalement maîtriser le côté huis clos et la dramaturgie complète qui entoure le long métrage. Ce qui fait qu'on ressort de l'intérieur en se disant qu'il y a une maîtrise de l'ambiance et de la forme, mais il n'y a pas une maîtrise du fond et de comment gérer ce fond. Et c'est un petit peu dommage parce que tu te dis que vraiment ce film aurait pu devenir un chef-d'œuvre s'il avait été mieux maîtrisé, peut-être un peu plus court, alors que pourtant je crois que le film dure 1h26, mais t'as l'impression qu'il devrait durer 1h15, tellement le concept est un peu fermé. Mais vraiment, je vous conseille de voir À l'intérieur de Bustillo et Maury parce que ça reste une petite perle de cinéma de genre, ça te fout un frisson constant et c'est vraiment angoissant comme film. Et en plus de ça, je crois qu'il n'y a rien de plus terrifiant que de voir une femme enceinte coursée par une autre femme qui veut lui chourer son gosse. Notamment, j'ai jamais rien vu de plus terrifiant au cinéma. Et bien voilà, ainsi s'achève cet épisode 19 de Au coin du DVD. J'espère encore une fois qu'il vous aura plu. Et n'hésitez pas à me dire si vous connaissez ce film ou s'il l'avez déjà vu ou si vous ne l'avez pas encore vu, à me mettre dans les commentaires ce que vous en pensez. Et comme je le dis à chaque fois en fin de cette émission, il y a bien des secrets qui se cachent dans une jaquette de DVD.